Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut transformer une image en vidéo. Mais pas un petit machin qui bouge seulement, non, non, une vraie vidéo. Et j'ai trouvé ça époustouflant. Alors, on y va. En tout premier, vous devez avoir des images. Moi, j'ai déjà téléchargé mes images. Je vous montre celle-là, celle-là et celle-là. Partant de là, maintenant que j'ai mes images qui sont téléchargées, je vais sur Vigueule. Je clique pour accéder au site. Vous pouvez regarder si vous voulez ici la vidéo de présentation. Donc de cette image, pour avoir ce résultat, il vous suffit d'aller dans Vigueule. Et Vigueule, on peut y aller uniquement en allant sur Discord. Voilà. Moi j'ai déjà Discord. Si vous n'avez pas encore Discord, ben, il suffit de vous créer un compte. Je vérifie que je suis bien dans Vigueule. Mais pour créer des vidéos, ça se trouve ici. Vous avez plusieurs salons où vous pouvez aller. Je vais prendre le numéro 7. Donc, dans le numéro 7, il est préférable d'aller systématiquement tout en bas pour avoir les dernières vidéos. Ici, dans la partie où vous devez écrire, vous faites tout d'abord un slash. Là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Donc, vous allez faire Animate. On vous ouvre une fenêtre pour mettre votre image. Donc, je vais aller dans les images que j'ai. Je vais mettre celle-ci, par exemple. Ici, dans le prompt, eh bien, on va choisir ce que l'on veut. On va par exemple marquer Dance. Ensuite, pour le fond, on va cliquer ici. On a trois options. Soit le fond blanc, soit le fond vert. Si on a un fond sur lequel on veut le mettre, soit le template qui va être proposé. Je vais mettre le template, par exemple. Et ici, on met On. Les options, c'est obligatoirement on. Et pour lancer la création de votre vidéo, vous tapez tout simplement sur la touche Entrée. Vous allez repérer où se trouve votre demande, parce que ça va assez vite en général. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, Nanouf, ça doit être ça. Donc, c'est en train de se préparer. On va télécharger la vidéo. On va tout simplement aller regarder ce que cela donne. Vous avez vu que c'est vraiment une vidéo, c'est pas simplement le tour qui bouge. Maintenant, nous allons retourner dans le salon numéro 7 et je vais vous montrer comment faire une vidéo cette fois-ci en utilisant en plus une vidéo déjà existante. Je vais revenir à ma vidéo. Juste sous votre vidéo, vous avez d'autres possibilités de prompts. Vous cliquez et vous allez accéder à tous ces prompts. Et qu'il y en a beaucoup, nous allons aller ici. Je vais en choisir une. J'ai choisi donc la vidéo. Je redescends tout en bas. Ici, slash, animate, image, celle-là. On va sur prompt et on colle le background. On va le faire from template. Et ici, on clique sur on. Et entrez. La voilà, donc allez, notre mamie. Vous voyez que c'est quand même pas si mal que ça. On clique là et ici on a une petite flèche, on télécharge et on a une nouvelle vidéo qu'on regarde. Voyez que c'est quand même pas mal réussi. Bon, il y a quelques petits défauts, mais ajoutez ça dans votre présentation. Vous pouvez très bien avoir un personnage à qui vous faites faire les différentes positions et du coup, ça vous fait une vidéo complète de gymnastique ou je ne sais pas. Voilà, enfin, vous voyez que c'est un très très bon outil. Vigueule va vraiment permettre de faire plein de choses. J'ai beaucoup aimé cette petite vidéo là qui va me servir maintenant parce que je vais vous montrer ici Animate. On va femme là, le prompt, on va y mettre celui que l'on vient de copier, le background, celui du template et ici on. Et on entre. Alors maintenant, on attend le résultat, on ne le perd pas de vue. Et voilà notre vidéo. On télécharge et on regarde. Vous voyez qu'elle est quand même pas mal cette vidéo. Bon, eh bien, je vous laisse vous aussi regarder comment fonctionne Vigueule
essayé d'autres trucs, hein, je n'ai pas tout essayé, mais c'était simplement pour vous présenter cette IA actuellement en période d'essai. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à poser vos questions. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.